du caractère de Christ. We were talking about the character of Christ. Nous parlons de comment le revêtir. Dieu t'ordonne. I am explaining it because the verse prêter même à tes ennemis sans rien espérer. Et nous parlons du caractère de Christ. We were talking about the character of Christ. Nous parlons de comment le revêtir. We are talking about how to revert it. Et nous sommes en train de voir comment Dieu opère en nous and à travers le Saint-Esprit. How God works in us through the Holy Spirit. Et nous avons montré que le Saint-Esprit a ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. And we have shown that the Holy Spirit has was discovered the fruits of the Spirit. Et les enseignants de la parole attirent souvent l'attention en montrant qu'il ne s'agit pas des fruits de l'Esprit, mais du fruit de l'Esprit. And the teaching of the word used to show that, to underline that it is not about the fruits of the Spirit, après, but the fruit of the Spirit. Après, on cite une liste de vertus. And afterward, they quote a list of virtues qui se résume en ce mot fruit. Which are summarized in this word, ça veut fruit. Ça veut dire que il y a des caractères. It means that there are characters qui sont la manifestation du Saint-Esprit dans sa plénitude en chaque croyant. Which is the manifestation of the Holy Spirit in each believer. Si tu vois un homme qui a une paix, une tranquillité, if you see someone who has a peace, a calm, une assurance, an insurance, ce n'est pas qu'il est fort. It is not that he is strong. C'est l'Esprit agit en lui. It's just the Holy Spirit working in him. Et c'est lui qui produit ce caractère. And he is the one producing this character. Je veux dire que Dieu a planifié le salut d'une manière parfaite. I want to say that God has planned salvation in a perfect way. C'est lui-même. It is he himself qui nous développe en lui. Who develop us in him. C'est lui-même qui nous fait croître en lui. He is the only one making us grow in him. Ce qu'il veut que nous devenions, il l'a mis dans l'Esprit. What he wants us to become, he has put it in the Spirit. Et il a mis l'Esprit en nous. And he has put that Spirit in us. Et nous avons vu la place de l'obéissance au Saint-Esprit. And we have seen the place of obedience to the Holy Spirit. Parce que, because, étant donné que c'est lui qui a ce fruit, s'il est frustré, s'il est éteint, s'il est chassé, donc l'homme reste vide. Being that he is the one giving all those fruits, if he is frustrated and casted out, the human being is empty. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu veut que and the Spirit of God wants that l'image de Jésus qu'il projette en toi, the image of Jesus that he sent in you, il veut que cette image-là te possède. He wants that this image possess you. Et que tu te mettes à travailler pour te conformer à cette image du Christ qui est en toi. And he wants you to walk so that to become like this image of Christ in you. Pour ceux qui ont lu le témoignage du frère Zach, for those who have read the testimony of Brother Zach, il dit, he says, qu'au niveau humain, humanly saying, il était moralement correct. He was morally correct. Il était fils d'un pasteur sérieux. He was the son of a serious pastor.
Mais pour que Dieu le sauve, but for God to save him, il a produit la révélation de Jésus dans son humilité. C'est-à-dire Jésus dans la simplicité. He produced the revelation of Jesus in his humility. Et il a comparé la simplicité, l'humilité de Jésus avec son moi, avec lui-même. And he compared the simplicity, the humility of Jesus with his own self. Il était brisé. He was broken. C'est ça. Donc, Jésus, Dieu a produit la révélation de Jésus dans son esprit. So, God has produced the revelation of Jesus in his mind. Dieu peut produire la simplicité de Jésus. Il peut te montrer son esprit. Il peut te montrer sa bonté. Il peut te montrer sa douceur. Il peut te montrer sa maîtrise de soi. God il peut te montrer sa paix. The humility of Jesus, his peace, his self-control. Il le fait pour que tu le deviennes, que tu acceptes et que tu travailles pour le devenir. So he does it for you to accept that and to become like it. Il y a des gens qui marchent et puis commencent à parler. Il faut que je change. Qui t'a dit ça? C'est toi-même, tu comprends ça en toi-même. There are people who walk and say, I'm a change. Who taught you that? You alone are understanding that. Et quand tu t'exclames, il faut que je change. Ça veut dire que tu as vu une autre image qui est bien. And when you say, I must change, it means that you have discovered another image which is good. Et tu comprends qu'il faut que je devienne comme ce que je vois. Du temps pour que ça soit, parce que nous sommes des faiseurs de disciples. The character of Christ is very simple, but we are taking time to explain it because we are disciples makers. Parce que dans la formation de disciples, because in the disciple making, on enseigne pas pour remplir la tête. We don't teach to fill the head. On enseigne pour que les autres réussissent à pratiquer. We just teach for people or for others to be able to practice. Si nous n'avons pas pour objectif d'amener les autres à pratiquer, if we are not aiming to lead people to practice, alors nous ne sommes pas en train d'enseigner selon le modèle de Jésus. Then we are not teaching according to the model of Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Je peux vous rendre témoignage. I can give you a testimony. En tant que missionnaire, j'ai cette responsabilité. As a missionary, I have this responsibility. Frères bien-aimés. Beloved brothers. Je reconnais que le Seigneur m'a donné une capacité particulière de comprendre les messages du frère Zach. I understand, I recognize that the Lord has given me a particular ability to understand the teachings of Brother Zach. Et ce livre que nous sommes en train d'étudier, and the book we are studying, Le chemin du caractère chrétien, The way of Christian character, pendant que je l'étudiais pour la première fois, le Seigneur m'a fait comprendre que ce livre c'est un grand livre. When I was studying it for the first time, the Lord made me understand that this book is a great one. Et ce livre m'a inspiré un enseignement. And this book inspired me a teaching. Les racines du mal. The roots of evil. Parce que le Seigneur a donné au frère Zach la capacité de regrouper les péchés. Because the Lord has given to Brother Zach the ability to guard the sins. Selon les racines. According to their roots. Il lui a montré que quand tu as l'amertume, he showed him that when you have bitterness, tu auras l'irritabilité, tu auras la colère, tu auras la frustration, tu auras le manque de pardon, tous ces péchés. The lack of forgiveness, all the sins. Alléluia. Amen. Parce que tu es amer. Because you are bitter. Quand tu es lâche. When you are coward. Tu peux tuer, tu peux mentir, you tu peux faire des choses. You can lie, you can do things.
À la racine, c'est la lâcheté. But at the root is cowardice. Mais parce que tu es lâche, but because you are coward, tu peux commettre une série de péchés you sans can que tu commit saches comment. A series of sins without. Et le Seigneur m'a fait comprendre que and the Lord made me understand la guérison intérieure, the inner healing, est une partie de ce livre-là. Is a part of this book. Parce que les blessures sont à l'origine de certains péchés, de certains caractères. The wounds are at the origin of some sins and some characters. Si bien que quand on travaille sur la guérison intérieure, so that when we work on the inner healing, on va se retrouver en train de laisser le manque de pardon, la colère, la haine. Vous we voyez found les ourselves liens. Forsaking the lack of forgiveness, all the bitterness, and et so on. C'est pour cette raison que ici en Côte d'Ivoire, quand tu donnes ta vie à Jésus, la guérison intérieure fait partie des premières choses qu'on fait dans la vie du jeune converti. This is why here in Ivory Coast, when you give your life to Jesus, the inner healing is part of the first ministry that you receive. Ça accélère la délivrance du péché. It accelerated the deliverance from sin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, so, les orientations que nous nous efforçons à donner, il faut prendre ça au sérieux. So the instructions that we are forcing ourselves to give, please take them seriously. Dieu est préoccupé par comment peut-on changer. God is concerned about how someone can change. Je peux me tenir ici, j'ai dit vous volez, vous mentez, vous allez partir à l'enfer. Ça là, en venant même, chacun sait qu'il vole, il ment, il va aller à l'enfer. I can stand here and tell you, you are thieves, you are liars, you will go to hell. While coming here, everyone knows that. La question c'est, comme les Juifs ont demandé à Pierre, que ferons-nous, hommes frères? The question here is, as the Jewish ask Peter, what will we do? Si telle est notre condition, qu'est-ce que nous devons faire? If this is how we are, what should we do? Et c'est ça qui est important. And this is what is important. Et on te dit, and you are said, la première chose, the first thing, c'est de désirer, is to desire, que tu vas devenir quelque chose autre. That you will become something else. S'il n'y a pas ce désir, if there is not this desire, tu vas rester dans la nature que tu as là, même si tu n'aimes pas cette nature-là. You will remain in the nature that you are, even if you don't love it. On ne change pas parce qu'on est la mauvaise nature. On change parce qu'on admire une nature excellente et qu'on la poursuit. We don't change because we hate our nature, our bad nature. We just change only because we are contemplating a good nature and that we are pursuing it. On ne change pas parce qu'on dit je n'aime pas Satan, je n'aime pas Satan. We don't change because we say I don't like Satan, I don't like Satan. On change quand on embrasse Jésus. We change when we embrace Jesus. Et qu'on aime Jésus. That when we love Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Ton désir sera exaucé. Your desire will be answered. Ce soir même, si tonight, tu veux devenir gentil, Dieu t'a déjà exaucé. If you want to become kind, give your life to Jesus. Observe seulement ta conduite. Just observe your behavior. Tu vas te surprendre en train de porter ton sac, chercher certaines personnes pour aller leur demander pardon, sans pasteur derrière toi. You will just find yourself taking your bag and looking for some people and go and ask, beg the pardon without any pastor behind you. Tu vas te retrouver en train de prendre ton téléphone, enlever les numéros de téléphone des petits bandits et des petites bandites. You will find yourself sans bâton, sans fouet. Taking your mobile phone, removing the phone calls, the phone numbers of small bandits without being beaten. Parce que Dieu t'a exaucé. Because God has answered you. Tu vas le faire avec empressement et tu seras heureux. You will do it with zeal and you will be happy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Parce que quand Jésus arrive,
Because when Jesus arrives, il dit, que veux-tu que je fasse? He says, what do you want me to do? Si tu dis, Seigneur, je veux changer. If you say, Lord, I want to change. Il dit, cela c'est déjà fait. He said, this is already done. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. J'avais l'intention de faire prier 3 ou 4 personnes pour dire merci pour qui a entrepris la réconciliation, le pardon depuis qu'on écoute ce message. Lève la main. Who are starting ceux qui some ont, reconciliation? Ceux qui ont entrepris un travail pour changer. Those who are starting a work to change. Donc, put up your hands up. Quelques 5 personnes viennent dire merci pour cela. Let 5 people come and thank God for that. Je recevais que on devrait dire merci pour cela. I received that we were to thank God for that. Père, nous te disons merci. Nos cœurs sont en joie et remplis de reconnaissance envers toi pour le désir que tu as mis en nous de changer. Merci effectivement pour tout ce qui est entrepris à tous les niveaux, pour effectivement entrer dans ce changement. Seigneur, je prie pour moi-même, oh notre Dieu, parce que tu, pendant cette période, tu m'as conduit, Seigneur, à travailler pour changer, pour être un homme doux, au nom de Jésus-Christ. Tu m'as appris pendant cette période à abandonner les paroles dures, menaçantes, et particulièrement vis-à-vis de mon épouse. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu as fait de moi un homme doux. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, merci pour cet enseignement qui est venu juste au notre Dieu, pour que nous soyons transformés, Seigneur, en des vrais vaillants disciples de Jésus-Christ. Je prie pour moi-même, Seigneur, parce que depuis un certain temps, je cherche seulement ma grande transformation, Seigneur, voir mes frères, les aimer, les embrasser, même quand tu m'insultes, je ris. Et je sens que, Seigneur, tu es en train de me donner ce cœur. Rien ne me fait fâcher. Quand je vois, je suis contente. Oh, notre Dieu, tu es puissant. Je prie pour toute l'Église, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, que nous ayons tous le même cœur, à nous aimer les uns les autres, à nous embrasser quand lorsque nous voyons. Oh, notre Dieu, afin que, à la fin de notre temps, nous soyons tous au ciel pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, pour dire merci à notre Dieu Tout-Puissant qui nous a donné un frère de Jésus-Christ qui est venu pour nous transformer. Que la gloire te soit donnée. Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, parce que tu as envoyé ce message pour nous délivrer, Seigneur. Seigneur, je me souviens que j'ai plusieurs fois entrepris de lire le livre et de travailler, mais je ne savais même pas comment faire, Seigneur. Seigneur éternel, tu as envoyé ce message. Et depuis que tu as commencé à nous enseigner, j'ai compris que le désir de ressembler à Jésus devrait être recherché et trouvé, Seigneur, dans mon cœur. Et Seigneur, tu m'as donné, pendant qu'on jeûnait pour le jeûne du ministère, tu m'as parlé clairement et tu m'as exaucé, Seigneur. Depuis lors, j'ai commencé à me réconcilier avec les gens autour de moi. Et il y a une paix qui a commencé à m'habiter chaque jour. Une joie, Seigneur, en moi, Seigneur, qui me donne l'assurance que
Tu es avec moi et tu marches avec moi, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ton message qui est venu pour me transformer, qui est venu, qui continue de travailler en moi. Seigneur, je veux te bénir. Aujourd'hui, mais tu m'as appris à poser un acte au travail et les gens étaient contents et me disaient merci. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. C'est toi qui m'as appris ces choses. C'est toi qui m'as révélé ces choses que je n'avais pas pratiquées depuis un bon moment. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Et je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait dans l'œuvre au niveau de notre, de l'Église en Côte d'Ivoire, dans la vie de tous les frères à travers ce message. Que ton nom soit exalté, glorifié au siècle des siècles. Amen. Seigneur, merci infiniment pour cette opportunité que tu me donnes de rappeler à mon âme le désir que j'ai eu de, pour changer. Je disais, je veux être un serviteur de Dieu, un pasteur, le plus doux, le plus calme à l'intérieur. J'ai demandé, Seigneur, donne-moi un calme intérieur comme tu l'as. Un calme intérieur pour que je ne vois pas le mal qui est dans la vie de mon frère avant d'avoir prié pour lui. Donne-moi un calme intérieur pour ne point juger de façon acerbe le péché des frères. Il faut que je sois calme avant de reprendre. Seigneur, j'ai travaillé et c'était hier seulement j'ai pris le livre. J'ai dit à ma femme, pardon, le livre du caractère doit être complété avec la guérison intérieure. J'ai travaillé hier nuit seulement. J'ai fait le compte à ma femme ce matin. À cause de ma dureté, à cause de mon manque de douceur, à cause de mon irritabilité. Et j'ai pris les deux témoins de la Bible. J'ai pris lui second. J'ai résumé les 14 caractéristiques de l'amour. Il dit, tu manques l'amour. Quand quelqu'un est irritable, il n'aime pas les gens. Tu peux être surpris. Allez, tu peux être surpris, tu peux savoir, tu peux imaginer que tu aimes les gens. Mais c'est de façon superficielle par la façade. Mais à l'intérieur, l'irritabilité montre que tu n'as jamais aimé les hommes tels qu'ils sont. Tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas la vie des autres. Voilà pourquoi tu es irritable. J'ai pris la parole de vie, parole vivante. Et j'ai mis un après un, 14 caractéristiques qui ont été résumées là-bas, qui ont été élargies dans la parole vivante. Je les ai élargies telles qu'ils sont, ils ont écrit. J'ai vu dedans la présomption. J'ai vu dedans l'irritabilité. Il dit, voici ton vrai problème. Va dire tout ça à ta femme avant d'aller au culte. Ce matin, j'ai fait toute la leçon à ma femme. Je l'ai supplié, regarde-moi. J'ai été très dur. N'eût été la CMCI, je ne peux pas savoir ce qui m'arrive. Je n'étais jamais aimé parce que je vois tous tes défauts chaque fois. Tous tes défauts. Et c'est ce qui se passe dans la vie des frères, pour les frères. Alors, je sais que je n'ai pas l'amour. Comment vais-je devenir un disciple? La première condition déjà. Seigneur, je viens de réaliser cela et la joie m'a rempli parce que j'ai décidé crânement de ne plus jamais me mettre en colère. Jamais. Je dis, dis-moi toute la vérité, mais je me tairai. Je n'enseigne plus quelqu'un. Je vais m'enseigner moi-même et continuer d'aimer les personnes telles qu'ils sont. Il faut qu'ils s'expriment aussi. Il faut qu'ils soient quelqu'un aussi. Il faut qu'ils disent pour eux que je ne sois pas en train de leur démontrer ce que je sais. Que je me taise et que eux aussi grandissent. Et que je les aime tels qu'ils sont. Seigneur, je réalise que c'est comme ça qu'on doit travailler. Il faut aller à la source. Et tu m'as dit, c'est un mal héréditaire pour toi. Ton père est comme ça. Ta mère était comme ça. Donc tu n'as pas appris, mais tu es né avec. Il faut travailler dur. Seigneur, j'ai essayé. Maintenant que je le sais, que le serpent est écrasé. Parce que je suis en train de dire à tous les frères, je suis irritable à l'intérieur. Parce que je ne supporte pas les fautes des autres. Mais on n'enlève pas les fautes des autres. On change soi-même d'abord. On les aime tels qu'ils sont. Avant d'espérer, parce qu'il faut espérer jusqu'à ce qu'ils donnent son meilleur. Pas toi de le changer. J'ai trouvé cela comme une véritable délivrance. Et je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Amen.
Seigneur, je suis ici juste pour être reconnaissant. Ce que nous avons commencé, ces enseignements, parlant du caractère, je m'étais surpris que j'avais encore des griefs contre certains frères, parce que blessé. Mais après avoir écouté ce message, oh Seigneur, tu m'as délivré de la colère, et même de l'irritation, Seigneur, et même de la lâcheté. Je pouvais voir les choses en face et faire comme si tout allait. Mais Seigneur, tu m'as transformé. Et j'ai même pris ces personnes pardonnées, restaurées, rétablies dans mon cœur. Et même encouragées à les suivre et à poursuivre le travail dans leur vie. Et à les aider à réussir. Oh Seigneur, merci parce que tu es venu en secours et tu m'as imprimé ton caractère. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ transforme vraiment. J'ai pensé que j'étais doux. Mais c'est pendant ce jeûne que nous venons de faire que j'ai réalisé que je n'étais pas un homme doux. J'étais agressif, j'étais violent. Notre dernier avait fait un songe où nous avions tué un serpent et j'avais rendu le témoignage ici à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et j'avais dit que depuis ce jour-là, vraiment, il n'y avait jamais, mon époux, il n'y avait plus d'irritation et c'est vrai. Il n'y avait plus cette irritation-là parce qu'elle ne comprenait pas telle chose. Mais je n'étais pas doux. C'est depuis qu'on a commencé les enseignements, que je sais que c'est ça. Parce que pendant ce jeûne, j'ai vraiment travaillé, désirant être doux, parce que souvent elle me dit que tu es trop... Je ne considérais pas ça, je pensais qu'elle elle parlait pour parler. Elle voulait un autre niveau d'attention. C'est pendant ce jeûne que mes yeux se sont ouverts. Alléluia. Et frère, je ne sais pas comment cela s'est passé. Mais j'ai carrément changé vis-à-vis de mon épouse. Alléluia. Amen. Je ne saurais vous dire ce qui s'est produit. Je me souviens même qu'à une occasion, elle m'a dit, lis-moi la Bible. J'étais heureux que mon épouse me demande ça. J'ai pris la Bible, j'ai lu. Alléluia. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et quand elle n'est pas là, je ne suis pas. Je veux qu'elle soit à côté. Je ne cherche pas une autre présence. Alléluia. Je vous dis la vérité, le Seigneur transforme. Et pendant qu'on priait tout à l'heure, le Seigneur me rappelle une scène qui s'est passée à la maison. Je me suis rendu compte que je réprimandais les enfants. Et c'est vrai qu'il fallait les réprimander, mais c'était sans amour. Ça faisait que les enfants étaient irrités. Quand on finit la réprimande comme ça, en tout cas, ils sont chez eux, ils se retirent là. La dernière fois, j'ai réprimandé les enfants, tous les enfants, au sujet de leurs études et de leur... au fait qu'ils ne participent à rien. Tout le travail repose sur une personne. Frère, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je savais que Dieu était dedans. Quand j'ai fini ça, le lendemain, notre aîné s'est réveillé à 4 heures du matin. Elle a réveillé les autres. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. On les réveille, ils restent couchés, on revient encore. Souvent même c'est la menace que si je reviens, c'est avec la chicotte, vous devez vous réveiller. Elle s'est réveillée à 4 heures. Hier, après la nuit de prière, quand on achevait la nuit de prière, elle sortait, parce que c'était la nuit des prières des dirigeants, elle sortait. Je lui dis, ah,
Tu es enfin réveillé. Elle dit, papa, je suis réveillé depuis. Hein. On a fini à 4h30 par là. Il dit, papa, je suis réveillé depuis. Je bénis seulement le Seigneur. Parce que Dieu transforme, effectivement. Et je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir dans ma vie. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur. Avant, lorsque j'étais plus petite, lorsqu'on m'envoyait, je partais avec joie, sans me plaindre. Arrivé un moment, j'ai arrêté. Lorsqu'on m'envoie, je vais. Mais je me plaignais dans mon cœur. Et on est venu à la croisade, papa a prêché. Après l'enseignement, il a prêché sur le service rendu aux frères et tout ça. Je rendais service, je suis serviable. Mais souvent, quand la personne exagère, ça m'énerve. Là, quel problème. Je parle. Des fois, j'ai envie de m'arrêter devant elle pour parler. Des fois, j'ai envie de m'arrêter devant elle pour parler, pour lui dire la vérité. Mais puis, je laisse tomber. Et quand papa a prêché, je suis rentrée à la maison, je me suis rendue compte que ce que je faisais, c'était pas du tout bien. J'ai vu qu'il fallait que je demande pardon à Dieu. Et puis, il fallait que je prenne mon engagement de partir autant de fois. La seule personne qui pouvait m'envoyer sans que je boude, c'était papa et puis maman. C'est-à-dire, il dit, oh, elle m'a accouché où? Donc, il est mauvais. Jésus-Christ. Donc, je partais seulement. Si maman dit, Dani, monte, il monte. Descends, monte. Mais le reste, là, tu m'as envoyé. Après, il faut me laisser. Je sais mon visage, je me connais pour ça. Mais il est mauvais, mais Dieu m'a permis de voir qu'il fallait que je le fasse avec tout le monde. Et depuis que papa a prêché, puis j'ai décidé de changer, des fois, je suis là, on m'envoie, après il veut commencer encore. Oh, et puis il me souvient, tu as dit à Dieu que tu veux. On a qu'à t'envoyer, il a prié, Seigneur, moi c'était viable qu'on m'envoie, il ne parle pas. Quand je veux commencer, tu as fini de prier. Donc, depuis ce temps-là, j'ai constaté que, oh mon voix, je m'en vais. Tu montes, descends, tout le monde, je m'en vais. Avec joie. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Et puis, je veux rendre grâce au Seigneur aussi. Avant, si on a eu un problème ensemble, que j'ai parlé, tu as su que je n'étais pas fâchée. Ok, ça passe. Ah, si on a eu un problème, tu sais que tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Après, si je ne t'ai pas dit, je ne vais plus te parler. C'est-à-dire, et puis quand j'ai dit je ne vais plus te parler, je ne vais plus te parler. C'est-à-dire, je m'en fous. Oh, ça c'est quelle personne ça? Tu as donné ta vie à Dieu, tu ne parles pas à quelqu'un, tu t'en fous. C'est depuis un moment, j'ai vu que... Donc, depuis un moment, depuis que papa a prêché, je ne suis pas à l'aise. Les personnes que je ne salue pas, je ne suis pas à l'aise. J'ai commencé à saluer les personnes que je ne salue pas. J'ai commencé à saluer, à parler. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Et même des amis que j'avais classés. Il y a des amis avec que j'ai classés depuis. Il a dit que c'est là. Mais Dieu m'a permis aujourd'hui de parler à une. Et puis, si tu ne parles pas à quelqu'un, tu la classes, tu vas lui prêcher comment? Tu vas lui parler de quoi? Dieu dit que la différence entre un chrétien et un païen, c'est que le chrétien, il aime tout le monde. La personne t'énerve, ou la personne te fait du mal, ou la personne tu l'aimes. Et puis, les païens aiment ceux qui les aiment. Donc, il y a quelle différence? Il faut que tu aimes tout le monde. Il faut que tu parles à tout le monde. Il faut que tu salues tout le monde. Depuis un moment, je suis dérangée quand je ne parle pas avec quelqu'un, même quand je n'y ai rien fait. Je veux dire merci au Seigneur pour cela. Amen. Parlons un peu de la bonté. Let's talk about kindness. La bonté est la vertu de celui qui agit avec compassion. Kindness is the virtue of the one who acts with compassion. Celui qui agit avec bienveillance. The one who acts
with goodness, avec amour, avec charité, with love, with charity, surtout mainly, envers les gens qui souhaitent leur malheur, toward people who are expecting the curse. Et quelqu'un lise pour nous le psaume 35, verset 13. Let someone read for us Psalm 35, verse 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Amen. Yet, when they were ill, I put on my sackcloth and humbled myself with fasting. Amen. David dit. David says. Il veut dire qu'il est bon. Il dit qu'il est bon. He wants to say that he is kind. Il dit que quand les gens qui ne l'aiment pas tombent malades. He says that when people who don't love him fall sick. Il jeûne. He fasts. Les gens qui ne l'aiment pas. People who don't love him. Quand ils sont malades. When they are ill. Il jeûne. He fasts. C'est ça qu'on appelle la bonté. This is what is called goodness. Et moi, quand ils étaient malades, when je revêtais un sac. I put on sackcloth. Mon âme par and le jeûne. Humbled myself with fasting. J'ai prié la tête penchée sur mon sein. I went about mourning. Ça, c'est un homme bon. This is a good man, a kind man. Si tu sais que telle et telle et telle personne ne t'aime pas, if you know that this and that people don't love you, et tu leur fais du bien, and you do good to them, tu es bon. You are good. Ça, c'est la bonté. This is goodness, kindness, love. Pas que tu ignores. Not that you ignore. Tu sais très bien, you know very well, que cette personne-ci prie chaque jour, that this one always pray, que je meurs, that I die. Mais quand lui, quand il tombe malade, quand cette personne tombe malade, but when this person falls sick, tu engages un jeûne, you start a fasting, tu t'humilies, you humble yourself, tu pries. You pray. Ce n'est pas seulement qu'il jeûne. Il jeûne et il prie. It's not only he fast. He just he fast and pray. Et ce n'est pas un acte superficiel. And c'est it profond. Is not a superficial work. It's a deep work. Il dit la tête dans son sein. He said mourning. Il est peiné. Il souffre comme si c'était sa maladie. He suffers as it was his own sickness. Ah, c'est la bonté. This is goodness. C'est un caractère de Christ. It is a character of Christ. Chacun devrait désirer devenir comme ça. Each one should desire to become like this. Lis pour nous Luc 6, verset 35. Luke 6, verse 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and the wicked. Amen. Donc Dieu qui est notre Père, so God who is our Father, il est bon, He is good, pour les ingrats, for ungrateful, pour les méchants, for wicked. Lui, notre Père, He our Father. Vous savez, les péchés comme l'ingratitude touchent d'une manière profonde les âmes. You see, the sins like ungratefulness touch and move it deeply people. Ça dit que quelqu'un te fait du bien.
It means someone does good to you. Et tu n'es pas reconnaissant. And you are not grateful. Et Dieu te dit faut l'aimer, faut l'aimer. And God tells you love him. Il vient. He comes. Il dit prête-moi l'argent là s'il te plaît. Borrow me money please. Il ne paye pas. Il n'a même pas encore payé. Il dit, je voudrais que, ça, comme ça fait 10 000, si tu peux compléter. He has not even paid it back. And he said, if you can just add some. Que ça fasse 20 000 en même temps. So that it makes 20,000. Et le Seigneur te dit, écoutez, and the Lord ce, que tell la, you, écoutez ce que la Bible dit. Listen. Il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Et il dit, et votre récompense sera grande. And he says, then your reward will be great. Et vous serez fils du Très-Haut. And you will be children of the Most High. Très bien-aimé. Beloved brothers. Dieu, il n'y a pas de contradiction en Dieu. There's no contradiction in God. Vous savez que nous enseignons que dans la troisième phase, là, pas de dette. Tous les frères doivent être délivrés des dettes. You know that we are teaching that in the phase three, no debt. Every brother should be delivered from any kind of debt. Mais Jésus te dit. But Jesus is telling you de prêter to lend sans rien espérer. Without expecting anything. Alors, je vous explique le mystère qui est dedans. So I am just explaining you the mystery which is here. Quand tu lis très bien la Bible, when you read very well the Bible, si tu n'as pas l'argent, if you don't have money, si tu n'as pas un salaire, if you don't have a salary, n'emprunte l'argent à personne. Ne demande à personne de te prêter l'argent. Don't borrow money from no one. Demande l'aide. Just ask for help. Je vous dis la vérité. Écoutez, I'm telling you the truth. Just please listen it carefully. Les gens savent seulement qu'il ne faut pas avoir les dettes, mais les gens ne comprennent pas la raison divine qui est derrière. People only know that they should not have debt, but they don't understand the divine reason behind it. Quelqu'un qui n'attend aucun revenu. Someone who is awaiting any income. Qui ne se débrouille même pas who dans is la not vie. Even trying in the life. Et qui se lève. And who stand up. Pour aller dire à un frère qui craint Dieu, frère, prête-moi 20 000 francs. To go and tell a brother who fears God, brother, please borrow me 20,000. Tu auras ça à la fin du mois. You will get it at the end of the month. Il ment. He's lying. Il n'a rien. He has nothing. Il sait même que c'est ce qu'il dit là. C'est un désir insensé. That it's a senseless desire. Une espérance. Comme la parole dit, une espérance trompeuse. Is a wrong hope. Il pense que s'il proclame par la foi qu'il va remettre ça, il va rembourser le vin, comme la foi va amener ça à l'existence. He thinks that if he proclaims that by faith, that he will just reimburse it on the 20th, the faith will take it to him. Quand tu n'as rien. If you have nothing. En Israël, tu vas dans les anciennes plantations. In Israel, you go que in les riches, les gens bien ont laissé. Tu prends ce que tu peux aller manger gratuitement. In the old farms, and you take things that were left for rich people by rich people. Si tu n'as rien à manger, if you have nothing to eat, ne dis pas à un frère, donne-moi 1000 francs, je vais aller manger. Dis-lui, j'ai faim. Don't tell a brother, give me 1,000. I will go and eat. Just tell him I'm hungry. Parce qu'il peut te donner la nourriture sans te donner de l'argent. Because he can give you food without giving you money. Il peut t'inviter chez lui. He can invite you at his house.
Mais quand il y a l'amour de l'argent, but when there is the love for money, c'est donne-moi l'argent. Give me money. Je n'ai rien à manger. I have nothing to eat. Prête-moi 1000 francs. Lend me 2000. Prête-moi 500. Lend me 1000. Prend me 500. Et ça ne fait que ça. Et la parole de Dieu dit que quand la dette augmente, les fardeaux augmentent. The word of God says when the debt increase, the burden increase too. La Bible dit que le méchant emprunte et ne rembourse pas. The Bible says that the wicked one lend, but sorry, borrow, but never reimburse. Demande le monde. Ask for offering. Quand tu n'as pas de source de revenus. If you have no income source. Si quelqu'un a son salaire. If someone has his salary. 500 000 francs par mois. 500,000 by month. Il va chez le garagiste. He went to the garagist. Le garagiste dit que la pièce là, cette pièce-ci, c'est 100 000 francs. He tell me that this piece is 100,000. Il dit bon, mais. He said put it. Tu auras l'argent le 15. You will have the money on the 15. Et il prend la pièce, il remplace. And he put it. À la fin du mois, il a 500 000 francs. And at the end of the month, he has 500,000. Il enlève 100 000, il remet au garagiste. He take 100,000 and give it to the garagist. Il est normal, il est béni. He il n'a commis normal. Aucun péché. He is blessed. He has committed no sin. Mais s'il garde les 500 000. But if he keeps the 500,000. Et quand il voit le garagiste qui a même déjà livré la voiture, il le voit, il ne regarde plus là-bas. And c'est when un he bandit, sees, c'est un méchant. When he sees the garagiste, he even not glanced at him. This one is a wicked one. Le méchant ne rembourse pas. The wicked one don't refund, doesn't refund. Si tu es dans cette salle, si tu dois à quelqu'un, if you are in this hall and you owe someone, et que tu ne rembourses pas, la parole dit que tu es méchant. And you are not refunding, the word says that you are wicked. Est-ce que nous sommes ensemble? Have it together. J'explique ça parce que le verset est clair. Dieu t'ordonne. I am explaining it because the verse prêter is clear. À prêter même à tes ennemis sans rien espérer. God is ordering you to lend to your enemies even without expecting anything. S'il rembourse, if he refunds, toi tu as obéi à Dieu, tu you es béni. Have obeyed s'il God, ne you rembourse blessed. Pas, c'est lui qui est méchant. Il attend le jugement. If you don't, if he doesn't, he is the one who is wicked and he is awaiting the judgment. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donne à celui qui demande. Give to the one who is asking you. Ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Don't get away from the one who wants to borrow from you. Mais toi qui as emprunté. But you who have borrowed. Rembourse. Refund. Dans la communauté. In our community. Écoutez ça très bien. Listen that carefully. Si un frère vient chez toi. If a brother comes to your house. Il dit, je viens de causer avec le leader Boniface. I've just chatted with the leader Boniface. Et on était dans son bureau. And we're in his office. Bon, est-ce que tu peux me prêter 200 000 francs là? Can you please borrow me 200,000? Demande-lui s'il ask en him, a parlé avec son faiseur de disciples. Ask him if he has discussed the issue with his disciple maker. S'il dit oui, if he says yes, tu dis ok, je veux le contacter. You say, je veux l'appeler. All right, I will call him. Frère, sois béni. Tel, est-il ton disciple? Oui. Brother, vous avez causé sur un éventuel et dit quoi? Is this one your disciple? Did you discuss non, about non. An eventual debt? Non, non, non. He says no. Donc, c'était la visite d'un bandit. So this was the visit of a bandit. Qui veut utiliser le nom du pasteur pour vite voler?
Who wants to use the name of the pastor to steal quickly? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu as un disciple, if you have a disciple, qui te dit, je veux, est-ce que je peux aller demander au frère Mian de me prêter l'argent? We tell you, can I go and ask brother Mian to borrow me some money? Première question. First question. Tu veux demander combien? How much do you want to ask? Deuxième question. Second question. C'est pour faire quoi avec? For what purpose? Troisième question. Third. Tu vas payer, tu vas rembourser avec quoi? With what will you refund it? S'il dit, tu sais frère, la foi. If he says. Le juste vivra par la foi. Tu dis non. Vis d'abord. Vis donc par la foi. Laisse le frère. Just tell him to. Alléluia. Amen. Là, nous sommes en train de montrer comment nous pouvons vivre en sécurité, même étant dans des liens forts. We are right now showing how we can live in security and having tight and strong ties. Parce que notre ministère rapproche les gens. Because our ministry gets people closed. Et s'il n'y a pas de règles de discipline, if there is no discipline rules, les mauvais vont faire du mal aux bons. The wicked ones will hurt the good ones. Ils vont profiter. They will take advantage. Ils vont étudier la psychologie. They will study the psychology. Je vais lui dire que je viens de rompre un long jeûne, tout ça là. This one, I will tell him that I've just stopped. Ça va marcher. A long fasting and it will work. Tu rencontres quelqu'un, tu dis, oh frère, comment ça va? Il dit que non, je viens de rompre mon long jeûne. You meet someone, you say, brother, how are you? Il ne répond pas à ta question. Il te montre. He says, I've just broken a long fasting. He's not answering to your question. He's just showing you his needs. Il y avait une sœur, quand elle veut me demander l'argent, elle a veillé. Témoignage sur témoignage. Témoignage sur témoignage. Le matin, tout le monde part à RS. Après, je vois là, ton frère, je comprends, je dis pardon, tiens. There were a sister, when she wants to ask money, she will give testimony, testimony, testimony at the prayer night. And later on, she come and ask. Il est bon de faire comme si tu ne connais rien pour que la paix et l'amour restent. It is good for you to do as you know nothing so that peace and love remains. Est-ce que tu as de l'argent pour rembourser cette dette, ce prêt-là? Do you have money to refund this land? Non. No. On laisse le frère. So leave a brother. La bienveillance. C'est la disposition à témoigner de l'amour aux autres. It is a disposal to show love to others. Surtout first, quand ils ne le méritent pas. Mainly when they don't deserve it. C'est aussi la vertu de celui qui comprend les autres dans leur situation. It is also the virtue of the one who understands the others in their situation. Et lis pour nous Hébreux 11, verset 31. Read for us Hebrews 11, verse 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Hebrews 11, verse 31. By faith, the prostitute Rahab, because she walked on the spies, was not killed with those who were disobedient. Amen. Rahab, la prostituée, avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab, the prostitute, received the spies with goodness, with kindness. Les enfants d'Israël avaient envoyé les espions pour regarder le pays et voir les points forts. The children of Israel sent spies in Israel to see the country and saw and see its good and strongholds. Voir comment attaquer. And to see how to attack. Et
une prostituée a sauvé leur vie en les cachant parce qu'on les cherchait déjà pour tuer. And the prostitute saved their life by hiding them because they were being looked for to be killed. Elle a compris la situation. She understood the situation. Et elle a préféré les garder. And she preferred keeping them safe. Et ça, c'est la bienveillance qui a rendu ça possible. Kindness which made that possible. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Les vertus se ressemblent, mais chaque vertu a sa spécificité. Virtues resemble each other, but each one has its specificity. Même quand Jésus pardonne la femme qu'on avait trouvée en flagrant délit d'adultère. Even when Jesus forgives the lady which was caught on the spot of adultery. Dans cette manière de pardonner, il y a la bienveillance dedans. In this way of forgiving, there is kindness inside. La foi. Faith. Vous notez ceci. Write this down. Traduit parfois. Sometimes translated. Par le mot fidélité. By the word faithfulness. La foi est la qualité, est une qualité qui rend une personne digne de confiance. Faith is an ability which makes someone trustful. Et capable de croire aux autres. And able to believe in the others. Elle produit des serviteurs bons et fidèles. It produces faithful and good servants. La foi comme vertu du fruit de l'esprit n'est pas la foi qui est comme le don de foi pour opérer les miracles. Faith as a fruit of the spirit is not the faith that produces miracles. Elle te rend digne de confiance et capable aussi de croire aux autres. It made you deserving confident and make you believing in others. Je disais souvent, frère, que notre ministère est une manifestation de cette vertu dans une certaine mesure. And I used to tell brother that our ministry is the showing of this virtue in a certain measure. Parce que nous pouvons prendre un illettré, nous lui donnons une assemblée. Because we can take someone who is not literate and we give him, we trust him and trust him an assembly. Et il dirige. And he leads. Et les gens cherchent Dieu, ils trouvent Dieu. And people seek God and find him. Et ils prient, ils chassent les démons, ils guérissent they les pray malades. And cast the demons out and heal the sick. On fait confiance aux autres. We believe in others. Ça, c'est une vertu que le this Saint-Esprit is a virtue that the Holy Spirit gives. Quand ça manque, when it lacks, on se surveille, c'est quoi, tu veux faire quoi? We watch out on each other. Je causais avec quelqu'un un jour. I was chatting with someone one day. Dès que j'ai fini, quelqu'un est parti. Qu'est-ce que tu disais? Vous parlez de quoi? As soon as we finish, someone go and say, what were you talking about? Donc, c'était son disciple. Il croyait que je voulais arracher. Donc, il voulait qu'il lui dise tout ce qu'on s'est dit. Écoutez, le disciple a dit, dans ce cas, c'est fini. Il ne peut plus me bâtir. It was his disciple, and he believed that I wanted to take him from him. And the disciple said, if it is like that, then it's finished. He cannot beat me up anymore. Il y a même des gens dans cette salle, leurs disciples ne peuvent même pas se déplacer. There are people in this hall, the disciple cannot even move. Tu étais où? Tu as rencontré? Qu'est-ce que tu as dit? Where were you? Pourquoi il a prié pour toi? J'avais déjà prié pour toi, non? Who did you meet? Why have he prayed for you? I did it, no? J'étais avec un couple dans la voiture après un enseignement comme celui-ci. I was with a couple in the car after a teaching like this one. La femme dit vraiment le passage là.
C'est comme si je ne l'ai jamais lu. The wife said, "This essay is like I have never read it." C'est la première fois que tu entends ça. Is that the first time you are listening? Donc, le monsieur voit que sa femme veut commenter le message était vraiment, elle n'a jamais su interpréter ce verset comme ce soir-là. Il dit, tu n'as jamais. The man understood that his wife wanted to comment the verse. He said, "Have you never heard it?" Il faut faire confiance aux autres. You must trust the others. Il faut croire que les autres peuvent servir Dieu. You must believe that the others can serve God. C'est la première fois que tu écoutes ça. Is it the first time you hear that? Tout ce que son épouse voulait dire, elle a avalé tout ça. All that his spouse wanted to say, she just swallowed it. Un autre mari allait même poser les questions. Oui, quelle partie là? Elle les commande. Ah, ça c'est vrai. Et puis les deux rentrent étant bénis. If it was another husband, he would just ask her, "So what was it about?" Yes, this is right. And both would be blessed. C'est cette foi qui fait qu'on ne méprise pas les petites choses. It is this faith which makes that we don't despise the small things. Quelqu'un lit pour nous Luc 16, versets 10 à 12. Someone read for us Luke 16, verse 12, verse 10 to 12. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. So, en fait, il y a une puissance pour croire que cette petite chose peut devenir grande. So, there is a power to believe that these small things can become great. Il y a une puissance, il y a une foi. There is a power, there is a faith. Qu'on croit qu'on est béni. Which wants us to believe that we are blessed. En protégeant le bien d'autrui. While protecting the good of others. Donc c'est une vertu. So it is a virtue. Ça ne vient pas comme les dons spirituels. It does not come as the spiritual gifts. Ça vient comme le produit du Saint-Esprit se développant en l'homme. It comes as the work of the Holy Spirit developing itself in man. Quand je dis se développant, je veux dire que le Saint-Esprit dans la plénitude, dans sa plénitude dans l'homme. When I say developing, I mean the Holy Spirit in his fullness in man. Si tu frustres le Saint-Esprit, if you frustrate the Holy Spirit, si tu l'éteins, if you squash it, tout ce processus est stoppé, est arrêté. All those process is stopped. La douceur. The sweetness. Nous avons déjà commenté par anticipation ce passage de Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. We commented the excerpt already of James 3, verse 13 to 18. Mais le frère va nous relire ce passage. But let the brother read it. Mais notez déjà que c'est la vertu de celui qui est soumis à la parole de Dieu. But write down that it's the virtue of the one who is submitted to the word of God. Il parle et agit pour la paix et la réconciliation. He talks and he speaks and walks for the peace and reconciliation. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. He said, receive with sweetness the word that was planting in you. Si tu reçois la parole sans murmurer, if you receive a word without murmuring, cette vertu-là agit déjà en toi. This virtue is already working in you. Les Juifs ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? The Jewish say, this work is hard. Who can listen to it? Ils n'ont pas reçu la parole avec douceur. They did not receive the word with sweetness. Et ils ne sont rien devenus. And they become nothing. Lis pour nous Jacques chapitre 3, verset 13 à 18. Read for us James 3, verse 13 to 18.
Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Amen. Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Amen. Il y a une sagesse que produit la douceur. There is a wisdom which is produced by the sweetness. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir des paroles rudes, dures, des gestes menaçants. You must not have hard words and threatening gestures. Il faut être doux. You must be sweet. Il faut être rempli de paix. You must be full of peace. Il faut que ton esprit soit rempli de modération. Your spirit. Il faut éviter les extrémités, le radicalisme. You must be balanced. You must avoid radicalism. Ne dis pas à quelqu'un, si tu fais ça, je vais partir. Don't tell someone, if you do so, I will go. Parce que les menaces rendent les gens durs. Because threats made people hard. Les ultimatums, ne dis pas à quelqu'un, si tu fais ça, tu vas voir. Don't tell someone, if you do that, you will see. Et il va te demander, je vais voir quoi. And he will ask, what will I see? Donc, ça monte. And it grows. Pour rien. For nothing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut rechercher la paix, le calme. You must look for peace. La tranquillité. Tranquillity. Dans la conversation. In the chats, in the conversations. Il ne faut pas utiliser les mots qui blessent. Don't use words which hurts. Ne dis pas à quelqu'un, toi, tu ne comprends rien. Don't tell someone you don't understand anything. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis-lui que je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mets la faiblesse de ton côté. Put the weakness on your side. Dis-lui just tell him, I don't know how to explain that to you. Je n'arrive pas. I am not ne getting. Ne dis pas que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Don't tell me you don't get it. Donc, vous devenez dur. And you become hard. Vous perdez le repos et la paix. You lose peace and rest. Vous notez que la douceur permet d'être plein d'amour envers ceux qui doivent être corrigés ou réprimandés. So write down that sweetness
allow someone to be full of love towards someone who must be corrected and rebuked. Ne pense pas que si tu frappes le poing sur la table, si tu grondes, si tu utilises les mots injurieux, c'est là où ça va passer. Non. Don't believe that if you beat your hands and you use insulting words, it is at that step that you will reach your goal. No. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice, n'accomplit pas la justice de Dieu. Does not complete God's righteousness. J'ai voulu accélérer. Nous allons arrêter là pour finir avec la maîtrise de soi mardi prochain. We'll stop there to end with a self-control next Tuesday. Et nous allons ouvrir une autre page. And we'll open another page. Le baptême. The baptism. Dans le Saint-Esprit. In et the la Holy plénitude Spirit. Du Saint-Esprit. And the fullness of the Holy Spirit. Parce que quand Paul enseigne sur le caractère, because when Paul teach on the character, il ramène tout sur le travail du Saint-Esprit. He just take everything on the work of the Holy Spirit. Qui va nous délivrer? Who will deliver us? De la mort de ce corps. From the dead of this body. C'est Jésus-Christ. It is Jesus Christ. Par le Saint-Esprit. Through the Holy Spirit. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Because the law of the spirit of life has set us free from the law of sin and death. Mais il dit. But he says. Il dit, si quelqu'un marche selon l'esprit, il va vivre. If someone walk according to the spirit, he will live. S'il marche selon la chair, il va mourir. If he walks according to his flesh, he will die. Il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il n'appartient pas à Jésus. He said if someone has not the Holy Spirit in him, he does not belong to Jesus. Donc, on ne peut pas négliger la place et le travail du Saint-Esprit dans la transformation de l'homme. So, croyant. We cannot neglect the work and the place of the Holy Spirit in the reformation of man. Et à la fin, il y aura des prières pour la plénitude du Saint-Esprit. They will have prayers for the fullness of the Holy Spirit. On va parler des deux en une seule et même séance. We talk about two topics in one sequence. Ça veut dire que mardi prochain, it means that next Tuesday, on parle du baptême, de la plénitude et on entre dans l'expérience. We are going to speak about the baptism and the fullness and we enter into the experience. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dites aux autres de ne pas rester à la maison. Tell the others not to stay at home. Dieu nous a donné la paix qu'on a demandé avec jeûne. Donc, God has given us the peace that we have asked through the fasting. So don't sleep. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, les nuits de prière de mercredi vont reprendre la semaine prochaine. The night of prayers of Wednesday will come back next week. Et les autres doivent nous imiter. And the others must imitate us. Ne craignez rien. Fear nothing. Vous êtes des enfants de Dieu. You are children of God. Quand Dieu donne la paix, when God gives peace, on travaille. We walk. Laissez les routines. Faites des programmes de crise. Give up the routines. Make programs of crisis. Avec des objectifs. With goals. Je n'ai pas le temps pour que Bertin nous rende son témoignage, il nous a rendu à Kung Fao. Il dit qu'il a baptisé son opération Bon Samaritain. Et ils ont. Vous avez baptisé combien de personnes? They led to the Lord 735 âmes et ils ont baptisé 87. 735 people. Non, ils ont déjà baptisé 87. And they have already baptized 87 people. J'ai demandé à l'ancien Désiré, est-ce que vous avez un programme choc pour gagner les âmes? I asked Elder Desiree if they have a chock-full program to baptize people. L'erreur, c'est de rester dans les programmes routiniers. The error is to remain in the usual programs.
un mois qui reste. A month remaining. C'est des programmes courts, chocs pour précipiter les âmes dans le royaume, pour les arracher de la terre. Short programs, short and strong programs to take people out of the darkness. Tiens-toi debout. Please stand up. Va en paix. Go in peace. Que la main du Seigneur soit sur toi. May the hand of the Lord be on you. Que toute maladie qui est partie pendant cette séance ne revienne plus. May all sickness which has gone during this sequence never come back. Que tout démon qui a fui pendant qu'on proclamait la parole ne revienne plus jamais. That all demons who fly away while we're proclaiming the word never come back. Que les mauvais caractères écrasés ne soient plus rétablis. May all the bad character crushed down never be settled up again. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen.